Bonjour à tous, c'est Jean. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Food Truck Simulator. C'est la quatrième vidéo. Bah écoutez, on va voir ce It should va be nous available pouvoir nous under the proposer Jobs Clara tab. comme Accepting any delivery will immediately mark your destination on the map. nouveau boulot. Sometimes the Alors delivery allez, comes from my store. Sometimes you're delivering something to me donc on va instead. faire de la Keep livraison. in mind that the delivery needs to be completed in Allez, a c'est certain amount parti. of time. Nobody wants Ouvrez to la get their carte et packages sélectionnez late. votre Understood. I'll do destination. my best, Clara. Drive safe, kid. On my way. Récupérer la livraison. Ok. Need to hurry Allez, up. on est parti. Keep up the pace. Donc, comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, vous abonner à la chaîne. Et activez la cloche, partagez, commentez, faites tout ce que vous pouvez si vous souhaitez me soutenir. Et bien écoutez, on y va tout de suite. On va aller chercher la livraison de Clara. On se dépêche parce que je sais pas. Ouais, il y a du temps. 6 minutes 15. C'est 6 minutes 15 aller-retour. Bon, après, je pense que oui. On fonce, hein. Ouais, bah, elle est où? Ouais, ça, c'est les radios. On n'en a pas besoin. Allez, pleine balle. On va tourner là. Eh, c'est pas à côté? Donc le camion en côte, il avance pas terrible. Oh la vache. Ah oui, donc je comprends pourquoi il y a autant de temps. Il y a un truc. Alors c'est vrai que j'ai toujours pas capté les points d'interrogation. Alors est-ce que c'est des points qui vont se débloquer au fur et à mesure ou est-ce que c'est à moi de... Ouais, je sais quoi, c'est le Corcovado version Food Truck Simulator. Keep up the pace. Je dois garder. Ok, je peux. Allez, on fait demi-tour. Tiens. Hop, on a débloqué un petit truc. Allez, on tarde pas, hein. On fonce. J'ai même pas regardé la carte. Bon, de toute façon, pour le moment, c'est tout droit. Oula, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas ce qu'on a tapé. Attends, on va jouer un petit peu comme ça. Quelques instants. Petit raccourci, tiens, hop, comme ça. Non, oui, non. Ah zut. Pas tant raccourci que ça. Bon, non, on peut pas. Allez. Puis lui, il me bloque. Ah zut. Bon allez, c'est pas grave. On y croit, on devrait y arriver. Bon, on est arrivé. On va passer là, on va couper. Et voilà, nickel.
Bien joué, Fast and 125 $. Furious. Here is your money, kid. Well deserved. Fast and Furious, effectivement. Tiens, il y a Alfonso, là, ou Roberto qui m'appelle. Mais avant, on va mettre un peu d'essence, tiens. On va faire le plein. Même si j'ai pas besoin. On va voir le prix de l'essence, tiens. Commencer à approvisionnement avec la touche carré. Prix 99, moins d'un dollar pour un par gallon. Oui, bah 2 minutes. Allez, on va répondre parce qu'il va me gonfler ici. Hello again, boy. I saw you driving around earlier. Got a destination in mind for the evening? Oh, hey, boss. Luciano? No, I just finished at the park and haven't made any plans yet. Then you should visit my shop in the Italian district. Sounds interesting. Go on. My place is almost on the top of the hill. It's pretty close to a place you can park your truck to. It's too far away for my business. But I figured you'd be interested. Now you're speaking my language. On my way, boss. That's the spirit, Piccolino. Conduire jusqu'au quartier italien. Alors attends, on va regarder là quand même parce que Italian district. Bon, en fait, c'est où on était. Oh, super. Eh oh. Eh, arrache-toi toi. On est l'autre qui klaxonne avec son tut-tut là. Du klaxon des années 30. Ben non, années 30, j'exagère, mais... T'es sérieux, toi? Oh là là. Mais casse-toi, casse-toi. Oh. Les gens qui savent pas conduire, ça m'énerve. Quartier italien comme par hasard, ouais, comme ce que je disais, on reprend la côte. Trouver la boutique de Luciano. Tiens, je regarde un truc, changer de vue, retourner dans la ville. Bon, il faudrait que je vois si je peux sortir du camion en fait. Bon, elle est bientôt arrivée. Enfin, j'espère. Hey, il est là, Luciano. Well, well, well. Look who we got. Ouh là, il a besoin de pas mal de choses, mais... Mais j'ai pas mal de réserves, donc, également. Alors... Pâtes à pizza. Oh, 12. C'est bon. Ensuite, bocal de sauce tomate 4. Ça c'est bon. Mozza 8. Jambon, il en veut 4. Champignon 4, piment 4. Pepperoni 4.
C'est tout? Ouais. Bon, c'est déjà pas mal, hein. 85... 85 dollars. On va ranger automatiquement. Voilà qui est fait. On confirme. Oh là là. Et là, on va au nouveau point de rendez-vous. Allez, pousse. Enfin, pousse pas trop fort, parce que c'est jamais. C'est quoi ça? C'est là? Ah oui, c'est là. Alors, quartier italien. Bon, j'espère qu'ils vont pas me demander de la pizza, du burger, etc. On verra bien. Bonjour, messieurs, dames. Alors, Luciano avait raison, j'ai pas lu. Alors, je vais essayer de reprendre mes marques parce que ça fait quelques jours que je n'y ai pas joué. Ça commence bien. Je voudrais le... Oh là là. Alors, attendez. Zut. Non. Interagir. Je veux le poser. Je veux poser mon truc. Oh, je l'ai mis dans l'étagère. Bon, allez. Très bien. On est parti. Prosciutto. Pâte, sauce, mozza, jambon. Ah oui, c'est pas là. C'est là-dedans. Tiens, on va en profiter. Non, ça c'est déjà là-dedans. Oh là, le bordel. Ah oui. Hein. Voilà. Sous mes trucs. Bon, la pâte elle est là. Ensuite, allez, je vais essayer de faire ça bien, hein, parce que pâte, sauce, cuillère, non, cuillère, j'ai dit. Allez, on est au taquet. Allez, on est à la sauce. Allez, dépêche-toi, dépêche-toi. Ouais, c'est bon. Voilà. Ensuite, mozza, jambon. Mozza. Jambon, c'est ça. Alors, couteau. Non, pas la pelle. Couteau. Allez, on se coupe, on se dépêche. Très bien. Ensuite, non. Je veux prendre ça. Voilà. Quoi, vous avez les mains pleines? Bon, c'est pas grave. Allez, on prend le jambon, on fera ça après. Jambon et la mozza. On rangera après. C'est pas grave. Je suis un peu dans la merde. Tac tac, on prend. Comment ça? Ah oui, c'est carré. Quel con. Désolé, aujourd'hui je suis vulgaire. Voilà, on range. Ensuite, on fait pareil avec la mozza. Allez, dépêche-toi. Voilà, on prend les automatismes. Ah, là, on n'a plus de place. Ici, on range la mozza. Ça, tu poses. Chef Michel, on y va. Une mozza. Hop, la pelle. On va prendre ça. Faut allumer le four. Ferme le four.
J'aurais dû commencer par la deuxième. C'est pas grave, ce qu'on va faire. Désolé, désolé. On va préparer la deuxième. Ma grille, elle est un petit peu sale, hein. C'est pas grave. Sauce tomate, tomate, mozza, mais non, rancha. Voilà. En fait, je me prends la tête à faire ça bien, mais en fait, voilà, on est bien. Ensuite, il faut pepperoni, piment. Pepperoni. Ça. On se débrouille pas mal. Voilà, 120 secondes. Mozza. Ici, une mozza. Voilà. Et piment. Piment. Et où il est. On va penser qu'il y a l'oignon aussi dans le tiroir là. Bon, on est bien. On est bien, Tintin. On est bien. Allez, on y croit. Comment ça, à court de carburant? Tu te fous de moi? Voilà, ça ira bien comme ça. Toi, poubelle. On avait, désolé pour le, si je vous donne le tournis. Là, on remet le gaz. Là, dans celle-là, 60 secondes. Et une mozza. Tac, piment. Non, c'est un pepperoni qu'il faut. La planche, four, ensuite carton, double carton, 30 secondes, pâte croustillante. Ah là là, on va être trop juste. Secondes, allez, on est chaud là. Pas de cuite. Ah là, j'aurais pas assez le temps. Bon, on va dépasser le temps pour avoir une cuisson parfaite, mais bon, c'est dommage. Deuxième commande, il reste 96 secondes. Allez, dépêche-toi. Tiens, pas de croustillante. Allez, hop. On prend, on ferme. On emballe. Non, mais t'es sérieux, là? Voilà. Comment ça, mauvais? Bon, c'est pas grave. Ouais, c'est peut-être le temps, en fait. Ensuite, va être croustillante. Qu'est-ce que j'ai foutu? Oh, je me suis trompé, mais non! J'ai inversé les commandes. Oh là 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 là. C'est ça de vouloir aller trop vite. Bon, va être cuite. Bon, écoutez, on va commencer, hein, c'est pas grave. On va essayer de se rattraper sur la troisième pizza. Toc, toc.
On va déjà aplatir la pâte. Voilà, pâte croustillante, au moins. Je suis obligé de tant pis. Allez, c'est pas grave. Le four, on va le laisser tourner. Ensuite, on se décourage pas. Non. En même temps, moi, c'est vrai que j'aurais été client d'un pizzaïolo comme moi, j'aurais foutu dans la gueule. J'aurais été dégoûté déjà, parce qu'en fait, je serais rentré chez moi, j'aurais vu que la pizza, c'était pas la bonne. Bacon cru. Oh. Des gens sur la planète qui mangent du bacon cru. Et dans les commentaires, il y a des gens qui mangent ça. Pâte croustillante. Non, ah désolé. Pardon. Allez, on va pas se rater sur celle-ci. Qu'est-ce qu'on fait en attendant? On va faire un peu de nettoyage. Parce que bon, on est propre chez Jean Pizza. On n'est pas les cradingues ici. Allez, on est bien. On ferme. Par contre, le four, il est un peu sale. Très bien, ça. Allez, au revoir, monsieur. Bon, casse-toi maintenant. Pas le temps. Quoi? Si tu veux. Tu veux du sel? Tu veux quoi? Allez. Oh, les gens qui squattent comme ça. Quoi, vous ne pouvez pas interagir. Qu'est-ce qui se passe? Retournez en ville. Très bien. Allez, on ferme, messieurs, dames. On ferme, on ferme. On éteint tout. On va nettoyer le four. C'est bon. C'est pas reluisant, tout ça. Je suis chafouin. On va quand même ranger. Tac. Voilà. On range ceci. Bon, écoutez, on y va. Hein. On retourne en ville. On est parti. Alors, nous revoilà en ville. La Vita Bella. Ok, où est-ce qu'il faut que j'aille? J'ai pas de destination précise. Tenez, ce qu'on va faire, je vais essayer de... Là, en fait, si je vais là, ça donne quoi? Ah oui, c'est pour le... Oh là là là. Ça, par contre... Le camion qui vole là comme ça, c'est vrai que ça c'est pas terrible. Je ne sais pas ce qu'il faut que je fasse. Donc ah oui, il y a vraiment un bug ici. Hein. Ici là dans la descente. Il y a un truc qui va pas. Hein. Je ne sais pas quelle heure il est. Boulot. Rafraîchissement des boulots dans 25 secondes.
Alors écoutez, on va regarder un petit peu à droite à gauche ce qu'on a. Amélioration. Cuiseur de riz. On n'a pas besoin de ça. Four. Ouais, zut. Ah, il y a du nouveau. Attendez. Grill burger. On va acheter ça. On a un petit peu de thune. Ensuite, friteuse. Voilà. Table du bas. Ça, on peut pas. Comptoir non plus. Étagère. Nombre d'emplacements. On a un petit peu plus. Allez, on va acheter. Frigo et congélo non plus. Bah écoutez, voilà, on a fait un petit peu de rafraîchissement du camion. La déco, on va laisser comme ça, la peinture aussi. C'est où? Zut, excusez-moi. Attends. Il n'y a rien de nouveau là pour l'instant. Ce qui m'ennuie, c'est les horaires. 8h, 18h. Bon. Récompense. Pour le moment, on peut pas faire Joe. Ok, donc là, on a fait Luciano. On va refaire une mission de Clara histoire de se faire un petit billet. Voilà. Ah, il y a du nouveau. Livraison de Clara. Conduis jusqu'au point de ramassage. Bah, on est au courant, on l'a déjà fait. Con, oui. Allez, go, go. Bon, apparemment, c'est pas loin. Ouais, c'est là. Donc, ce qui veut dire que l'aller-retour va être très rapide. Allez, marche arrière, moi je suis un fou. Viens. Allez, bouge. Ouais, ça va, c'est vraiment à côté. Hein. C'est vraiment la mission cadeau. Attention quand même à pas abîmer le camion. Bien joué, argent gagné, 75 balles. Well done, kid. You're just on time. I couldn't let you down. Thank you. Here's your reward. Thanks, Clara. See you later. Alors, hop, toc, on va rentrer. On va peut-être en faire une dernière.
Alors, attendez, servez vos clients dans une seule session de travail, testez vos compétences de cuisson dans toutes les cuisines possibles avec tous les produits possibles, gagnez une récompense quotidienne en fonction de vos performances et pouvoirs supplémentaires. Rappelez-vous que la façon dont le nettoyage de la cuisine après le travail est fait affecte vos performances. Ok, bon, il y a déjà une commande, bon, il y a eu un bug, hein. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Allez, c'est pas grave. Pizza croustillante, on a du gaz. Non, on n'a pas de gaz. Ça commence bien. Où est mon gaz? Là. Imbécile. Allez. On allume le four. Ah oui, tout était plus ou moins mélangé. On va essayer de faire ça bien. On veut du parfait. On veut du parfait sauce tomate. Là, déjà, il n'y a pas de sauce, il n'y a rien et que dalle. Oh là là là. Bon, pizza, on va mettre ça pour l'instant. Là, est-ce qu'on a des... Oh, putain, on n'a pas d'ingrédients, on n'a rien. C'est quoi ce bordel? Elle veut quoi? Mozza, oignon, tomate, champignon, piment. On va essayer un truc. Ah, je peux pas, ça marche pas. Ah, j'aurais bien aimé pouvoir mettre plusieurs ingrédients directs. Champignons. Tiens, allez. Champignons. Mozza. Je suis perdu. Je suis perdu. On s'en fout. Mozza. Piment. Oh, non, mais ils sont sérieux. Oignon. C'est pas grave. Allez, on y va. Allez, on coupe. Allez, hop. On range direct. Ensuite, mozza. C'est chaud. La précision du jeu, elle n'est pas terrible, hein, mais bon, c'est pas grave. Allez, on commence à avoir l'habitude. T'es sérieux là? Voilà. Allez, on y va. Je pense que ça peut le faire. Parce que moi, vous l'avez vu, hein, je suis un peu radin. Dans la vraie vie, non. Dans le jeu, oui. Alors, tac, allez, on prépare. Sauce tomate, déjà, c'est pas fait. Quoi, j'ai les mains pleines? Ah, voilà. Ce qui m'ennuie, c'est que le four, il tourne et je gâche du gaz à mort, quoi.
Mozza. Champi. Tomate. Merde, tu mets des tomates. Allez. 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 On est champion. Non. Je déconne. Merde. Attends. Tomate, mozza, c'est bon. Oignon. C'est bon. Tomate, c'est bon. Champignon. J'ai oublié un truc. Mozza. Mozza, c'est bon. Oignon, c'est bon. Tomate, c'est bon. Champi, c'est bon. Piment. Allez. Belle four, fermage. Fermage, ça se dit pas. Hein. Attention. Ensuite, ça c'est quoi? Pas de quoi? Ah ouais, mais non, la deuxième. Attends, on va essayer, on va tenter le coup. Ah, c'est chaud, franchement, c'est chaud. Pepperoni, j'en ai pas. Pas de croustillante. Voilà. C'est pas grave. Allez. On y va. Première commande. Voilà. C'est toujours ça de gagner. Ensuite, on n'a pas de pepperoni. Thank you. Mais je vous remercie, madame. C'était avec un grand plaisir. Je suis un peu... Non, tu te fous de moi, là. Voilà. Donc, la commande 3. Oh là 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 là. Piment. J'arrive pas. Ah, c'est bon. Voilà. Ensuite. Mon plan de travail, il est un peu dégueulasse quand même. Hein. Être croustillante. Il va falloir vraiment que j'augmente le four, hein, parce que non, attends, avec mais ça là, oh là là, je suis perdu, mais non, on va y arriver, ne vous inquiétez pas. Hey, professionnel ou pas? Non, je vous entends dire pas du tout. Je vous entends. Je sais que vous êtes pas gentil. C'est pas très sympa de pas avoir confiance en moi. Je suis déçu. Je suis chafouin. Mais non, mais il y a combien de commandes? Vous foutez de ma gueule, là. Merde. Désolé. Celle-là. Il s'est barré, l'autre, ou...
Ouais, vas-y, j'en sais rien. Ouais, je fais pas ça, c'est en retard, j'en sais rien. Bon, les cassez-vous là. J'ai fait n'importe quoi. Et puis en plus, il veut des frites, l'autre. Il est sérieux? Ah bah oui, si je mets pas d'huile, ça risque pas de... Mais... Oh mais non! Ah très bien. Ouf, j'ai sauvé une bouteille de gaz. Allez, hop, dans le bac. On fait pas chauffer, hein. On y va direct. Quoi? Voilà. Toc. Ketchup triple mozza. Tu veux les frites croustillantes? Oh là 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 là, c'est pas possible. Le mozza, j'en ai déjà mis une. Tu veux un jambon? C'est où le jambon? C'est là. Allez, je coupe des morceaux. Comme je peux, hein. Eh non! Oui, tac. Voilà, je suis perdu. Désolé. Ensuite, on prend les frites. Cornet. Ouais, top dégueulasse. Cornet, frites. Triple mozza. Tu vas me ruiner en mozza, l'autre. Putain, ça m'énerve ça. Voilà. Et c'est tout. Putain. Commande 4. Allez, au moins. Ensuite. Une tomate, une mozza. Tranche de pepperoni. Tiens. Hop, on va faire celle-là. Quoi, wake up, tu veux ma main dans ta gueule? Putain, les gens qui sont exigeants comme ça, ça m'énerve. Ça m'énerve. Bon, c'est pas grave. Il faut qu'on en prépare deux. Une. Deux. On va y arriver. Je vous dis, on va y arriver. Ensuite, sauce tomate pour les deux. Tu la voulais comment toi, ta pizza là? Pas de cuite. Comme par hasard. Comme par hasard. Quoi? Il y a un fou ça là. Fou ça là, là. Non mais sans déconner. C'est la 6. Il va pas être content parce que la pâte elle est cuite. Ah, si c'est bien. Ça va. J'ai été mauvaise langue. Quoi? Comment ça, nouvelle commande? Non, 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 c'est bon. Mozza, j'en ai plus. J'en ai plus à cause de l'autre relou, là. Avec ses frites à la con, là.
Allez, pose-moi ça là. Oh là, ah oui, aujourd'hui, je l'ai dit, hein, je suis vénère, je suis vulgaire, c'est pas bien. Pas content. Hop, une mozza ici. Une mozza là. Un jambon. Un jambon, un jambon, un jambon, un jambon. Hop, un jambon et un champi. Voilà. Ah, puis j'ai pas fermé le four, hein, franchement, crétin. C'est pas grave, allez. On va faire la dernière commande, on va aller faire ça vite. Tomate. Bon, il faut que je surveille la pâte, hein. Je me fasse pas avoir. Voilà, très bien. Il faut ça là. Toc. C'est quoi là? C'est la combien? La 7. Comment ça mauvais? Fous de ma gueule. Oignon. Comment ça, what? Mozza. Mozza champi. Mozza. Ouais, c'est peut-être parce que le plan de travail il est cradingue. Je peux pas en mettre deux. Attends. J'avais essayé la dernière fois, je crois. Ah si, je peux. Comment ça, pizza crue? Ah bah non, oui, pâte à pizza crue, je suis con. Eh, trop bien. Tiens. On va faire ça. Voilà. Tac. Ouais, on est bien, on est bien, on est bien, je vous dis, moi. On fait des erreurs, mais... Et une pizza pour madame. Et une autre pour madame. C'est cuit. C'est fini. On éteint le four. Toc. Et une commande. Et une deuxième. Comment ça, mauvais? Résumé, mauvais. Je sais pas. Peut-être qu'il y a un ordre pour mettre les ingrédients ou pour celles et ceux qui savent. Quoi, c'est horrible, quoi, c'est horrible. Tu me coûtes tête que je t'arrachais la gueule, moi. Vénère. Aujourd'hui, je suis vénère. Bon, tu veux pas? Poubelle. Allez. On va faire ça bien. On va nettoyer et puis on va s'arrêter là. Quoi? Ah non, non, c'est bon, allez, je me casse. On est saoulé, là. Résumé du jour, pas nettoyé. Eh bien, écoutez, on s'arrête là pour la vidéo du jour. J'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, vous abonner à la chaîne, partager la vidéo,
activer la cloche, commenter, et puis voilà. Donc, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, ça ferait plaisir d'écrire un petit commentaire de temps en temps, enfin de vous lire, et puis de répondre surtout. Sur ce, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!